You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told ya, it's the best light I know. It's not a game that I am playing. Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'œil du Celt. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo sur Logan, une vidéo sur le Varanus Prasinus. Je vais juste vous dire, voilà, comme je le fais dans tous mes tutos, Varanus Prasinus ou Complexe Prasinus, comment bien l'installer. C'est-à-dire que je vais vous expliquer simplement, entre guillemets, le minimum. Quand je dis minimum, en gros, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir installer votre bête en toute sécurité, entre guillemets, j'aime bien dire ça, et surtout dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire au niveau de la taille du terrarium, les températures, la nourriture. C'est une bête qui est quand même hyper intelligente, super sympa. On peut avoir de très très bonnes interactions avec, de la désensibilisation, voilà, de l'imprégnation. Moi, je le fais tout doucement depuis, on va dire, 3 semaines, avec de la nourriture. J'essaie de l'attirer vers moi avec de la nourriture. Il est beaucoup moins farouche. Avant, le simple fait de mettre ma main à l'intérieur, il se barrait dans tous les sens. Aujourd'hui, voilà, comme vous voyez, j'arrive à mettre ma main un petit peu plus près. Voilà, c'est un peu mieux. Il faut du temps. Le temps, il faut le consacrer à ces bêtes. Moi, je vais prendre tout mon temps pour qu'il soit totalement, entre guillemets, imprégné. Et qui veut dire imprégné, c'est-à-dire de la manipulation plus aisée pour pouvoir, s'il y a des soins à faire, des vérifications à faire, des mauvaises mues enlevées ou quoi que ce soit. Voilà, au moins je vais pouvoir le faire en toute tranquillité sans stresser ma bête, parce que c'est quand même le but de ne pas stresser sa bête. Je vais vous montrer le terrarium, je vais vous expliquer comment j'ai fait, je vais vous expliquer comment j'ai programmé tout ce qui est éclairage, que ça soit le jour et la nuit. Voilà, j'ai vraiment installé un petit système sécurisé, sécurisant, pour pouvoir à ce que ma bête ait des températures constantes. Bon, là on a des périodes qui sont un petit peu plus chaudes, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'ai éteint une des lampes, c'est-à-dire que j'avais 3 lampes, j'en ai éteint une, et pour éviter que le terrarium dépasse les 40 degrés, parce que je vous assure, quand il fait chaud, ça dépasse facilement les 40 degrés. Mais je vais vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Donc déjà, premièrement, l'habitacle de Logan, c'est un terrarium Exoterra de 90-45 par 90. Donc là, on est sur un terrarium qui est assez bien aéré, que ça soit en réglette frontale, que ça soit par le dessus, juste là. Donc on est très 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 bien aéré. Adulte, Logan aura un terrarium de 120-60 par 120. Je précise bien, ça sera la taille que je vais lui adapter minimum. Voilà. Donc ça laisse quand même... Ah, c'est sympa. Alors le bruit que vous entendez, c'est la fontaine que j'avais, que j'ai installée. Donc, comme vous avez vu, à l'intérieur, j'ai mis du liège expansé de 20 mm, c'est-à-dire 2 cm, pour une isolation totale. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'il fallait déjà isoler. Quand on n'a que des vitres au niveau de tout ce qui est chaleur, pour garder la chaleur dans un terrarium en verre, c'est assez compliqué. Il y a aussi, il faut savoir que ce sont des animaux qui sont... des gros grimpeurs, parce que ce sont des lézards arboricoles, donc il fallait à tout prix qu'ils puissent grimper sur toutes les surfaces. J'ai rajouté quelques branches, donc j'ai minimisé, entre guillemets, les points de cachette pour éviter que Logan soit tout le temps caché. La seule cachette que je lui ai laissée, c'est cette souche de liège qui va jusque là, qui est percée en dessous, naturellement, et qui est ouverte au-dessus, ce qui lui permet de se cacher et surtout de dormir la nuit en toute sécurité. Je lui ai installé ici, vous voyez là, une petite gamelle d'eau, donc avec des agrafes à poteaux, hein, pour pouvoir le laisser voilà, aller boire. Donc l'eau est changée tous les jours. En bas, je vous explique vite fait ce que j'ai fait. En bas, vous avez ici
une gamelle d'eau. Il la change deux fois par semaine, donc avec de l'eau, ça lui permet... Alors, il ne va pas boire à l'intérieur, mais je l'ai déjà vu aller faire trempette. Donc, après quelques décos, moi, c'est vrai que j'aime bien le style bouddhiste. J'ai mis un gros Bouddha à l'arrière, donc qui résiste bien. Une petite plante de décoration. Une petite liane de décoration ici. Ici, vous avez quelques lianes naturelles que j'ai récupérées dans les bois. C'est assez sympa. Donc, bien sûr, traité et tout. Et ici, une souche de liège, mais là, elle n'est pas creuse, elle est pleine. Voilà, ce qui permet au moins de grimper, d'avoir un beau décor. Tout ça. Ça, c'est la partie décoration de Logan et aménagement. Et pour tout ce qui est substrat, bah, j'utilise comme d'habitude hein, des éclats de coco. Comme je dis, l'avantage des éclats de coco, moi, c'est que ça garde un fort pouvoir au niveau de l'absorption, au niveau de l'eau. Et ça la fait remonter l'hygrométrie. Alors, voilà le système que j'utilise. Donc, comme vous pouvez voir, là, on est à 37 degrés et la sonde, elle est là. Donc, jusque-là, si je prends avec le pistolet, là, ici, on est à peu près à 35 degrés. Donc, ce qui est largement suffisant. Ici, donc, on a, je vous montre, sans vous éblouir. Ici, vous avez ce qu'on appelle une cloche double, donc de chez Zoomed. Et là, vous avez une deuxième ampoule, qui est une ampoule, ce qu'on appelle de nuit, ou qui me permet d'avoir une température constante autour de 28 degrés. Alors, c'est tout bête. J'ai fait, donc, ici... J'ai mis deux sondes, une pour le jour, une pour la nuit. Vous avez le thermostat ici de chez Inkeber qui est éteint, qui va se déclencher à 21h et il va se mettre à, entre guillemets, en fonction de la température. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé les 28 degrés, il va s'éteindre. Si on est en dessous de 28 degrés, il va se rallumer. Je parle au niveau du déclenchement de l'ampoule qui est là, l'ampoule de nuit. Donc là, on est sur du 60 watts UVB. Et là, on est sur du 35 watts en ampoule. C'est pas de l'infrarouge, puisqu'elle développe vraiment uniquement une lumière tamisée. Enfin, c'est super sympa, je trouve. Et malheureusement, je n'en trouve pas sur Amazon, donc je ne vais pas pouvoir vous expliquer. Et vous la montrer directement. Ici, vous voyez, le voyant est allumé. Ça veut dire que là, on est en programmation de jour. Et là, on est en programmation de nuit. Là, vous avez donc les branchements qui sont faits. Donc ici, vous avez deux branchements. Pourquoi? Parce que vous avez l'ampoule chauffante et vous avez l'ampoule UVB qui est juste là. Donc là, on développe, je suis à peu près à 5% d'UVB, ce qui est largement suffisant pour la bête. Alors l'été, l'hiver, j'en ai une deuxième ici qui s'allume. Mais l'été, le problème de mettre les deux ampoules, c'est que ça chauffe très très fort. Et j'ai calculé que sur le haut du terrarium, j'ai plus de 40 degrés. Je suis à peu près 40-41. Donc ce qui est trop chaud, le simple fait d'en enlever une, voilà, la température, voilà. Je suis à 37. Donc ce qui est largement suffisant. Et là, on est vraiment en dessous. Je vous dis, le lézard se met ici, Logan se met ici. Donc on a largement de quoi faire. Logan, pendant que je parle, il est juste là. Voilà, mon pépère. Voilà, c'est vraiment important. Au niveau de la pulvérisation, je pulvérise deux fois par jour, le matin et le soir. Donc, je n'inonde pas non plus le terrarium, mais je l'asperge d'eau vraiment pour que ça soit vraiment bien humide pour lui. Et que, voilà. Parce qu'il faut savoir qu'un terrarium mal humidifié avec une très mauvaise hygrométrie, sur ce genre de lézard, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau de la queue. Ça risque de faire des garrots. Et ça, c'est quand même embêtant d'abîmer votre bête ou quoi que ce soit. Il y a aussi au niveau de la décoration, éviter tout ce qui est avec des mailles assez serrées, mais où il pourrait passer ses griffes, de ne pas se péter un doigt ou de ne pas avoir un doigt qui s'abîme ou bien après, par la suite, qui se nécrose. Hein, Logan? Donc souvent, je l'appelle... Je fais un bruit de bouche pour pouvoir lui montrer que bah, c'est moi. Enfin, je fais comme un cliquetis hein, avec ma bouche. Et c'est vrai qu'il est assez réceptif. Et c'est vrai que, bah, écoutez, franchement, moi, ça me plaît. Donc, pour le terrarium, vous voyez, au niveau de la décoration, il est assez simple. Donc, température de jour, 35, 32, 35. Moi, je suis plutôt à 35. Température de nuit, je suis à 28 au point chaud. Et le reste du temps, dans tout le terrarium, on tourne autour de 25 degrés. Voilà, le but pour moi, c'est de rajouter plein de branches comme ça. Je vais aller en chercher et de lui faire plein de passages et de diminuer petit à petit la cachette qu'il a là. Donc après, ça, c'est en fonction de vous. Beaucoup de gens préfèrent ne pas mettre trop de cachettes pour éviter
que la bête soit tout le temps planquée. Je ne pouvais pas non plus ne pas faire la fin de cette vidéo sans vous montrer bien sûr Logan. Alors, la manipulation avec Logan se fait de plus en plus facilement. Aller le chercher, ça prend du temps. Pourquoi ? Parce que bah, il faut qu'il ait confiance. L'attirer de la nourriture, c'est de plus en plus simple, mais voilà, on va pas ne faire non plus que ça. On va essayer de trouver d'autres subterfuges pour pouvoir l'attirer. Là, on est en lumière totalement naturelle, donc il n'y a pas d'artifice au niveau des couleurs. Ouais, hein, c'est de plus en plus facile. Hein. Voilà, donc Logan, vous avez vu quand même depuis quand même qu'il a super bien grandi, depuis que je l'ai reçu. Donc j'essaye pas trop de vous mettre trop de lumière pour pas non plus que ça fasse trop flashy sur les couleurs. Il va y avoir quand même un gros changement d'ici une bonne semaine, surtout au niveau de la qualité des vidéos et des photos. Le nouvel appareil arrive et je peux vous assurer que ça va être autre chose. Vous voyez, au niveau de la queue, avant je pouvais pas du tout lui toucher sans qu'il s'énerve ou quoi que ce soit. Là maintenant c'est autre chose. Voilà. Voilà. C'est du temps, hein. C'est de la patience, du temps. Je vais le prendre pour pouvoir le manipuler de plus en plus facilement. Qu'il vienne vers moi. Moi, mon but, je vous le dis clairement, c'est de faire des lives avec Logan sur mon épaule. Voilà, c'est pas possible avec Dana parce qu'elle est trop grosse et puis qu'au bout de 3 minutes, elle s'énerve. Léon, c'est pas la peine, sinon je vais me retrouver avec des morceaux d'oreilles en moins, un bout de nez en moins et un bout de lèvre en moins. Logan et moi, on vous laisse. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des petites questions à me poser, n'hésitez pas à le faire. Soit directement sous la vidéo, soit sur mon compte Instagram ou mon compte Facebook, n'hésitez pas. Le contenu va énormément changer sur Instagram et sur Facebook, surtout au niveau de la qualité, surtout des vidéos et des photos que je fais de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, la chaîne reste quand même 90-95% basée sur du reptile. Voilà donc pour l'avenir de la chaîne, toujours de belles bêtes. Et en espérant que l'évolution de Logan permette de faire autre chose avec lui, faire des trucs vraiment assez sympas. Pas non plus d'en faire une bête de foire, mais voilà. Donc j'espère que ce tuto sur comment installer un Varanus Prasinus vous aura plu. Ça fait partie du complexe Prasinus, donc que ce soit le Beccari ou le Macri, c'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas de différence au niveau du maintien. N'hésitez pas à me joindre sur Instagram l'œil du Celt, Facebook l'œil du Celt. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à partager si le contenu vous plaît. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Logan et moi, on vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao tout le monde, peace.